La première introduction du bio en restauration collective à Montsartour remonte à 1999. C'était le bœuf, donc c'était à l'époque de la vache folle. Et au moment où toutes les cantines scolaires ont arrêté de servir du bœuf pendant un ou deux mois suite à ce scandale, nous, on a décidé de passer en bio et on a maintenu le bio. Parce que je pense que ceux qui ont remis le bœuf au bout de 2-3 mois, il n'y avait plus, pas beaucoup de différence avec ce qui se passait avant. Personnellement, j'ai pu subir des pressions de lobbying phyto qui n'étaient pas forcément satisfaits qu'on parle autant de Versailles et que Versailles arrive à budget constant à passer à zéro pesticide. Le fait qu'on soit à budget constant, ça a été une vraie problématique puisque eux défendaient que le désherbage chimique n'était pas cher, ce qui reste toujours vrai. Mais moi, je leur répondais qu'on travaillait à l'échelle de la ville sur l'ensemble de la gestion des espaces verts et que les économies que je faisais en arrêtant l'usage des produits phytosanitaires, je les rebasculais sur du travail en entreprise d'insertion. C'est pas « il faudrait que », « on pourrait prendre telle méthodologie », c'est « telle commune, pour le faire, a fait comme ci, comme ça, ça s'est bien passé, ça n'a pas forcément coûté plus cher, parfois même moins cher, il y a un vrai envie, plaisir, fierté de l'avoir fait » qui est véhiculé à travers les rencontres et les témoignages que l'on organise.